commencer par vous dire que je suis très heureux et, et impressionné et honoré d'être devant un auditoire aussi illustre hein, pour parler d'un si, si merveilleux sujet. Et peut-être pourrais-je commencer par rebondir sur ce que vous venez de dire sur ce projet de l'école des femmes. Nous allons beaucoup parler de l'école des femmes dans ce, de, de Molière dans cette, pendant ces deux heures. Simplement en raison d'un projet qui est dans le vif de, de, du sujet d'aujourd'hui, un projet qui a commencé il y a une année, bientôt deux ans, à la suite d'une école thématique à Saint-Hippolyte-le-Fort organisée par Bénédicte Louva, qui enseigne à l'université de Montpellier. Et euh, en, en réfléchissant à la déclamation du XVIIe siècle, nous avons décidé de passer par les planches pour essayer de mettre à l'épreuve toutes les toutes les théories, tous les témoignages qu'on peut avoir sur la déclamation ancienne. Le but de cette école était de stabiliser les acquis de la déclamation baroque. Et malheureusement, nous sommes arrivés exactement au résultat contraire, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de choses qui doivent être discutées, expérimentées et, et, et travaillées encore, encore longtemps. Alors voilà pourquoi vous aurez... Plusieurs exemples aujourd'hui de l'école des femmes. Euh, vous avez là les trois frontispices. Pourquoi cette pièce-là Parce que elle a donné lieu à un scandale énorme et que Molière lui-même a commencé en écrivant la critique de l'école des femmes où on apprend des tas de choses très intéressantes sur la pièce et notamment sur la manière des comédiens de, de, de déclamer entre entre autres choses. Et puis après il y a eu tous les toutes les pamphlets et les pièces qui, se, qui ont commenté cette, cette première de l'École des femmes, comme l'improntu de l'Hôtel de Condé, où on se moque de Molière déclamant comme Molière se moquait de Montfleury et des, de ses rivaux de l'Hôtel de Bourgogne. On est avec dans, dans cet univers, on est lancé en plein dans, le, dans, les, dans tous les problèmes de déclamation du XVIIe siècle. Qui sont très, très problématiques parce qu'au fond, ce sont presque les sources uniques que, dont on dispose, si ce n'est les traités de grammaire, les traités d'art oratoire, bien sûr, qui alors constituent quant à eux des sources, des sources exceptionnelles. Et au fond, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui sous l'angle sous d'approche de la voix. Hein. Euh, c'est de la rhétorique, mais d'une rhétorique complètement XVIIe siècle, euh, euh, qui, ne, qui ne tient pas compte des, 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 des développements ultérieurs de la rhétorique. C'est vraiment de, de cet univers-là que je, que je peux vous parler. Euh, pourquoi de la rhétorique Parce que, comme vous, vous le savez, je suis, je suis musicien de métier et c'est par le. C'est par la musique que je suis venu à l'étude de, 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 des, des bases de la rhétorique, puisque la musique du XVIIe et du XVIIIe siècle a vraiment appliqué toutes les structures de la, de la rhétorique, de, de la littérature au langage musical. Et que, on ne peut bien comprendre, je pense, de plus en plus le, le, la nature de la musique du XVIIe et du XVIIIe siècle que si l'on maîtrise un peu la structure de la littérature elle-même. De la littérature et vraiment de la rhétorique. Hein. Les, les cinq chapitres bien connus de la rhétorique, euh, il faut des idées que l'on met en forme dans la disposition du discours et puis il y a le chapitre de l'élocution euh, le style en général le nombre la période et puis les figures hein, ces fameuses figures de rhétorique qui ont été tellement euh, développées et décrites euh, que souvent elles ont masqué tout le reste de l'édifice alors qu'elles n'en sont qu'une partie une partie somptueuse mais mais une partie seulement et voilà ces trois premiers chapitres qui qui constitue le discours écrit, rédigé sur le papier, sur les, les feuilles euh, à la lumière de nos lampes à huile, dit Quintilien. Hein, notre, discours, notre discours est écrit et maintenant il faut que ce discours prenne vie. Je tire le trait. Hein, les, le chapitre 4, c'est la mémoire. Aujourd'hui, c'est les PowerPoint qui tiennent lieu de mémoria aux, aux, aux orateurs. Et puis le chapitre 5, c'est celui dont nous allons parler le plus aujourd'hui, l'action, la voix et le geste. Et bien sûr que euh, je parlerai beaucoup moins aujourd'hui du geste que de l'action. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui sont beaucoup plus, beaucoup plus compétents que moi pour parler du geste et, et nous nous contenterons surtout de, le, de la voix. Chapitre 5, l'action, hein, la voix et le geste. Voilà toutes les une petite table des, des matières, de, de tout ce qu'on trouve dans ce chapitre 5. Il faut commencer par prononcer euh, les syllabes, hein, euh, par les articuler. C'est ce que dit le maître de philosophie à M. Jourdain. Euh, apprenez-moi l'orthographe, euh, euh, apprenez-moi à prononcer le dal, le, le fa, le ra, ra le ra, avec l'air qui sort avec force. Hein. Il y a cette magnifique leçon de de prononciation dans le Bourgeois Gentilhomme qui, est un, un, qui reprend un livre paru l'année précédente, le traité de la parole physique de Cordemois, hein, que Molière cite presque textuellement. Le timbre de la voix, c'est une chose très importante, la quantité, vous avez, vous avez sous les yeux tous, et je, veux, je ne vais pas vous les lire, c'est tous les sujets dans lesquels nous allons euh, ouvrir quelques lucarnes et il faudra que j'aille très vite pour qu'on essaye de, de parcourir l'ensemble le, de cet édifice. Mais bien sûr qu'il faut tout de même insister là-dessus, il n'y a pas seulement pour un orateur une voix, il y a aussi tout le, tout le corps, le corps d'abord qui prend euh, assise sur ses pieds avec des, des positions qui qui signifie des, 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 des états d'âme particuliers hein, ou, des, ou des attitudes très importantes. Les postures, Molière parle souvent des postures des comédiens de l'hôtel de Bourgogne dans l'improntu de Versailles et dans d'autres pièces. Qu'est-ce qu'on fait avec ses bras Comment est-ce qu'on gouverne ses mains et Le visage, l'œil, le miroir de l'âme, hein, tous ces termes que, que l'on retrouve euh, au XVIIe siècle, qui sont les livres que je, je lis souvent, mais que, que, qui proviennent tous de, des orateurs grecs et romains. Et alors maintenant, nous, nous allons commencer d'emblée à, à voir comment le, la voix se met au service de, de l'œuvre, dans la sonorité et dans le rythme. Et cela concerne au fond les, une partie, hein, je dis bien qu'une partie des, du chapitre de l'Inventio et de l'Elocutio, bien sûr, c'est... Il y a une première chose qui est de, de différencier ces cinq chapitres et, et, et tous ces sujets, mais on est constamment en train de, de passer de la grammaire à la rhétorique, d'un sujet à un autre, d'un chapitre à un autre, de l'inventio à l'élocutio, à la decoratio. Euh, ce sont des, des, des vases communicants que, que toutes ces classifications. Un exemple. Euh, un exemple dans l'art poétique de Boileau, qui apprend à ses collègues poètes à, à écrire une belle langue. J'aime mieux un ruisseau qui, sur la molle arène, dans un pré plein de fleurs, lentement se promène, qu'un torrent débordé qui, d'un cours orageux, roule plein de graviers sur un terrain fangeux là, voilà, je, je peux le dire comme un, soci, comme un sociétaire de la comédie-française mais si j'applique les recettes des traités de grammaire et de prononciation en, en, en particulier de cette époque j'aime mieux un ruisseau qui sur la molle arène dans un pré plein de fleurs lentement se promène Torrent débordé qui, d'un cours orageux, roule plein de gravier sur un terrain fangeux. Évidemment, il y a le sens, il y a le, le, le sens des mots que nous comprenons qui nous aident à influer d'un côté ou de l'autre, mais objectivement, vous voyez, j'aime mieux un ruisseau qui, sur la molle arène, toutes les labiales, toutes ces lettres douces et liquides qui donnent une grande douceur aux deux premiers vers. Et puis, au contraire, le torrent de montagne qui nous, qui nous éclabousse avec ses eaux glacées et ses airs qui roulent, comme ceux du maître de philosophie de M. Jourdain. Et alors, si on. Bien sûr, ici, c'est tout à fait évident dans, dans l'art poétique de Boileau et c'est à des fins pédagogiques qui, qui oppose ces. C'est deux fois deux vers. Mais c'est une chose qu'on trouve absolument dans tout le répertoire. Et je prends mes exemples dans l'école des femmes, donc sous, sous l'aspect simplement de cette, euh, du choix par le poète des mots qui vont déjà exprimer quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on essaye de faire passer. Horace qui parle d'Agnès, un air tout engageant, je ne sais quoi de tendre. Ou plus loin, ce jeune astre d'amour, de tant d'attraits pourvus, c'est Agnès qu'on l'appelle. Et Agnès, plus loin, ⁇ Mais là, s'il le fait, lui, si rempli de plaisir, que de se marier, il donne des dé désirs. ⁇ Vous voyez, c'est vraiment le sens qui me fait choisir une, une certaine manière de parler, mais les mots sont bien là pour nous aider. Et Arnolphe, amoureux, sans cesse, nuit et jour, je te caresserai, je te bouchonnerai, baiserai, mangerai. Bertrand de Bassilly nous apprend que des lettres comme les M, le, le M de monstre, ce monstre, le, le F, le J, ce sont des lettres qu'on peut gronder et, et qui en début de mot donnent la possibilité de, de, de trouver une expression extraordinaire d'autres exemples arnold fâché quiconque remuera par la mort je la somme, et vous irez un jour vrai partage du diable bouillir dans les enfers à toute éternité dont vous veuillez garder la céleste bonté nous y reviendrons tout à l'heure en, en examinant cette tirade de manière très très détaillée. Et à la fin, petit serpent que j'ai réchauffé dans mon sein et qui, dès qu'il se sent par une humeur ingrate, cherche à faire du mal à celui qui le flatte. Pourquoi me criez-vous lui répond Agnès. Hein. Mais c'est autre chose. Donc voilà tout, tout, si vous voulez, l'aspect musical simplement au niveau du, du choix dans le lexique des mots que, que le comédien doit faire, doit faire fleurir hein, en, en, choisissant, en choisissant les bons. Et bien sûr, ça n'est qu'une qu minuscule ouverture dans ce, dans le, ce chapitre immense qu'on appelle l'invention avec ses lieux communs, avec avec tout ce, que, tout ce que contient ce chapitre et, et dans lequel il n'est pas question de ce que je viens de vous montrer. Mais enfin, c'est vraiment un, une approche directement musicale de la langue qui me semble d'une grande importance pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes, évidemment, ces assonances? Euh, c'est évident que ces mots ne sont pas choisis au hasard. et qu'au fond, on pourrait très bien analyser ça du côté de la figure. encore une fois, ces, ces chapitres sont des, sont des vases communicants. il n'y a pas que la sonorité, il y a aussi le rythme. comme un sociétaire de la comédie-française, Quatre bœufs attelés, d'un pas tranquille et lent, promenaient dans Paris le monarque indolent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais si l'on applique les règles de quantité syllabique du XVIIe siècle, et vraiment, il y a beaucoup d'auteurs qui ont pris la peine de, de le décrire, le plus précis étant certainement Bertrand de Bassilier en 1669. Euh, je vous passe les raisons, hein, parce, que, parce que ça, ça nous prendrait du temps de savoir pourquoi c'est long, pourquoi c'est bref. Hein, c est, c est un... Il faudrait déjà une, une journée entière ou, ou, ou quelques jours d'études. Mais si euh, voilà un résultat possible en suivant les règles de Bassilly. Quatre bœufs attelés, d'un pas tranquille et lent, promenaient dans Paris le monarque indolent. Hein, il est en train de nous parler des rois paresseux dans le Lutrin. Promenaient dans Paris, pararam, pam, param, piririm, pam, param. Hein, et là, on a l'impression vraiment que il y a une espèce de solfège dans la langue, qui est contenu dans les mots, et que si on apprend à lire ce solfège avec les, les recettes de, de cette époque, euh, on, on trouve de nouveau un, un, un côté ryth rythmique très, très intéressant. L'enregistrement le plus ancien qu'on ait d'un comédien, je crois que c'est Mounesuli dans Henri de Bornier, hein, le, La chanson des épées. Et, et là, c'est absolument fascinant d'entendre le traitement qu'il a de la quantité syllabique, où il y a des syllabes extrêmement brèves, des syllabes fulgurantes, et d'autres qui sont d'une longueur démesurée. La France euh, Je ne sais plus le début. Joyeux et du Landal. Hein, il parle des deux épées, mais vraiment, il y a des syllabes très brèves, très rythmées, et puis des, des déploiements immenses sur la France en particulier. Ella. Et il y a sa voix qui disparaît sur le A de Hélas, c'est un, une chose absolument stupéfiante. Hein. Et puisque nous sommes en train de parler de ça et que j'y pense en ce moment, il ne faut pas que j'oublie de citer à peu près à cette époque euh, Constant Coquelin, le créateur de Cyrano de Bergerac, qui a écrit un livre très important et très et absolument passionnant, L'art de dire un monologue. Et il parle, lui aussi, de quantité syllabique, hein, plusieurs siècles plus tard, en nous disant que le comédien a à sa disposition des longues, des brèves et des silences. Hein. Formidables les silences. Il hein. y, y a peu d'auteurs qui en parlent, et c'est pour ça que je, que je cite Coquelin. Enfin, bien sûr qu'il y a des figures de rhétorique, des figures de silence, elles existent. Mais Coquelin nous dit, mais sur le même plan, les brèves, les longues et les silences. Et le silence est omniprésent dans, dans, dans ces textes, dans cette déclamation, même si on ne l'entend pas, même si on ne le voit pas. Quatre beaux attelés, d'un pas tranquille et lent, promenaient dans Paris le monarque indolent. Et si je passe à l'école des femmes, je saute hein, d'un vers à l'autre, mais il faut qu'en ami je vous montre la lettre dit Horace à Arnolf. Et voilà le rythme absolument classique de l'Alexandrin. On sait les gens qui s'en moquent. Euh, je suis et hélas, puisque mon époux l'est. Hein? Euh... Vous... <laughs> voilà le pauvre Corneille, avec le rythme prétendu normal de l'Alexandrin. Vous voyez ce que ça donne. Je suis Romaine, hélas, puisque mon époux l'est. Et c'est extraordinaire, justement, dans, le, dans, dans une tragédie, de voir la variété infinie de, 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 de la possibilité de, de rythmer les vers à l'intérieur d'un Alexandre, de 2000 de, de, de Alexandrins. Arnulf, épouser une sotte est pour n'être point sot. Eh bien, non, c'est faux, ça, ce que je viens de dire, parce que est, le verbe être, c'est est une syllabe ouverte et longue. Épouser une sotte est pour n'être point Et ce serait vraiment une erreur, comme nous dit Grimaret, que de changer la quantité syllabique de et »,« et, et », bref, est fermé, à la place de est, il est, la troisième personne du singulier du verbe être. De même, Alain, la femme est en effet le potage de l'homme. Hein ces belles sentences qui aiment bien ce, ce rythme, ce rythme anapestique. D'autres exemples de quantité syllabique, voilà un, un exemple dans l'école dans des femmes, hein, Arnold est en train de, de, de vouloir apprendre d'Alain et Georgette qui est cet homme qui a vu Agnès, voilà le texte retranscrit. Charles Sorel nous dit plusieurs comédiens prononcent les vers comme si c'était de la prose et que pour les bien réciter, il les faut joindre avec tel art qu'il ne semble presque point que ce soit des vers que cela est grossier de s'arrêter sur toutes les rimes et de les marquer par trop plutôt que de penser à la suite du sens. Et vous voyez qu'ici, on a bien de la peine à faire entendre le rythme des vers. Il faut que sur le champ, si tu bouges, je veux que vous me disiez hein Oui, je veux que tous deux, quiconque remuera par la mort, je l'assomme. Des alexandrins complètement explosés par la fureur d'Arnolf. Mais, nous dit Charles Sorel, nous dirons que ce n'est point partout que les comédiens tâchent de cacher les rimes et les mesures des vers, qu'au contraire, en de certains endroits, ils les font sonner le plus qu'ils peuvent comme servants à la gravité du discours. Vous voyez cette jolie liaison euphonique servant à la gravité du discours. Hein C'est beaucoup plus joli qu'un thé. Vous serez ébahi quand vous serez au bout. Que vous ne m'aurez rien persuadé du tout. Triomphe Arnolf à son ami Chrysal hein, dans la première scène. Et là, vraiment, voilà deux alexandrins qu'on peut parfaitement rimer très, euh, rythmer et rimer très bien en faisant entendre les deux hémistiches et les deux rimes. Mais, tenu, continue Charles Sorel, c'est dans les entretiens familiers que les comédiens tâchent de joindre doucement les vers les uns aux autres pour exprimer plus naïvement les passions et faire mieux comprendre le sens des choses. Quand ce qui est des vers démembrés, les stichométies, et dont les mots sont partagés entre divers personnages, cela ne se fait point dans toute une pièce, mais seulement dans les dialogues dont on veut garder la vraisemblance pour délasser l'esprit des auditeurs après de longues traites. Et voilà le célèbre passage. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose Ouf Et il m'a. Quoi Pris. Hein? Le petit. Je n'osez-vous vous, vous fâcher peut-être contre moi Non. Si, mon Dieu, non, etc. Hein? Le, le, je me suis arrêté beaucoup sur le le parce que vous voyez que Limène, dans la critique qui dit ce le où elle s'arrête n'est pas mis pour des prunes. Voilà quelques exemples de, 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 de rythme, de traitement rythmique. De... Et, et ici, nous les avons vus surtout dans des textes en, des textes en vers, mais nous en verrons tout à l'heure dans des textes en prose. Bien sûr, j'aborde tel ou tel exemple, mais il y en aura beaucoup et dans toutes sortes de répertoires différents. Et, et il faudra additionner, au fond, ces, ces diverses lucarnes qu'on ouvre à droite et à gauche. Mais tout ce que nous venons de voir sur le, le rythme de la déclamation nous, a, nous amène au sujet du débit. À quelle vitesse est-ce qu'on est qu déclame Est-ce qu'on déclamait au XVIIe siècle Est-ce que c'est extrêmement lentement Est-ce que c'est extrêmement vite Eh bien, déjà, on sait qu'on euh, allait en général au théâtre écouter une tragédie de cinq actes plus une, plus une petite pièce d'un ou trois actes. Avec parfois un prologue, avec une chanson à la fin. Donc euh, l'après-midi ne dure pas tout de même 8 heures. Hein. L'après-midi euh, euh, dure sans doute 3 ou 4, et c'est déjà, déjà beaucoup. Mais alors, si l'on cherche sur le débit, l'un des premiers qui en parle en musique est Monteverdi, qui, qui revendique l'invention de la colère en musique. Il dit qu'avant lui, la colère n'avait jamais été exprimée par les musiciens, et il le fait dans le Combattimento de Tancrede et Clorinde, en 1624. Euh, un petit peu après, Marin Mersenne, dans l'Harmonie universelle, nous parle… De la, du débit de la dé 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 déclamation. Et il nous dit qu'il ne faut pas prononcer plus de sept syllabes à la seconde, qu'on se ferait mal comprendre si on, on prononce dans une grande église, hein, pour, pour un auditoire de, 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 de cathédrale ou de, pour un, un auditoire d'une oraison, si l'on va plus vite que ça. La seconde. Benedicam dominum, benedicam dominum, benedicam dominum, benedicam dominum. Pas plus de sept, de sept syllabes à la seconde, sinon etc. Vous voyez que c'est un débit extrêmement rapide. Hein. Si sait, il nous dit qu'il y a un débit moyen et un débit plus lent qui est, qui est deux fois plus grand. Donc si je traduis en alexandrin, ça nous donnerait à peu près pour le plus rapide deux secondes par vers et quatre secondes pour un débit moyen, six secondes pour le débit le plus lent. Nous y reviendrons plus tard encore avec certains exemples. Bien sûr qu'une source unique n'est pas suffisante et on a Pierre Corneille dans ses trois discours qui nous dit qu'il faut un peu moins de deux heures pour les 1800 vers d'une tragédie ou pour les 2000 vers d'une comédie. Et il nous montre là que la comédie se déclame un peu plus rapidement que la, que la tragédie. Mais je vous promets qu'en qu moins de deux heures, c'est assez rapide. Hein. Le site de Jean Villard et, et Gérard Philippe à Avignon en 1955 dure une heure, presque 1 heure 50 je crois. Donc vous voyez que c'est quasiment ça. Hein. Le, intuitivement, je pense, sans vouloir appliquer ça, ils étaient trop, tombés sur cette, euh, cette déclamation-là. Voilà le, le, en ce qui concerne le débit, nous y reviendrons dans les exemples. Euh, je vous parlerai souvent des sources principales qui sont dans cette époque dont je vous parle. Michel Le Faucheur, le traité de l'action de l'orateur. Vous voyez bien qu'il écrit un livre uniquement sur le cinquième chapitre de la rhétorique. Et puis René Barry, de même, 1677, Méthode pour bien prononcer un discours et le bien animer. Il y a aussi... Le sieur de Grimaret, Jean le Gallois, euh, qui écrit ce précieux traité du récitatif dans la lecture, l'action publique, la déclamation et dans le chant. Et Grimaret est un auteur souvent très décrié aujourd'hui parce que dans sa vie de Monsieur de Molière il a commis énormément d'erreurs et on ne l'aime pas et on ne le respecte pas pour cette raison. Mais je pense que son livre le plus important est certainement celui-ci, où il donne énormément de directives pour le, pour le théâtre, pour la prononciation du théâtre, en se référant, en recopiant parfois sans nous avertir les traités de Barry ou de Le Faucheur évoqués tout à l'heure mais aussi en disant des choses de son cru, comme ceci par exemple, il est l'un des, des seuls à entrer dans de tels détails, un valet veut de l'inégalité dans les tons, dans la quantité. Cette irrégularité est ce qui bien souvent fait le comique de ce qu'il dit quand il le place à propos, naturellement, ou avec esprit pour surprendre. Le mauvais langage des provinces ne vient que de ce que l'on a peu de soins d'observer les règles de la quantité et que l'on y prononce les syllabes d'un mot, d'un ton plus haut, plus bas que les autres, c'est un Suisse qui vous parle, hein. car toutes syllabes devront être prononcées dans sa juste mesure et toutes celles qui composent un mot devront être proférées sur le même ton, dès qu'on s'écarte de ces deux préceptes, on forme une mauvaise prononciation sans s'en apercevoir. Vous voyez comme il insiste sur ce chapitre de la quantité que nous avons évoqué tout à l'heure. Et ceci, cette intonation, nous, nous amène à parler de la conduite des voix, des cordes, parce qu'il y a plusieurs paramètres dans la, dans la déclamation, et nous en avons déjà cité plusieurs. Il y a le débit, il y a l'intonation, c'est-à-dire la, la, la hauteur de la voix dans la tessiture, et puis il y a la dynamique, plus ou moins fort, plus ou moins, plus ou moins doux. Et c'est vraiment en jouant de toutes, de toutes ces variantes-là qu'on peut faire une, une déclamation très variée. Alors plutôt que de faire une grande théorie, je vais essayer de vous lire le début d'une raison funèbre. Hein. Un genre important s'il en est, hein, Bossuet. Euh, Henriette d'Angleterre vient de boire un verre de chicorée glacée et elle est morte dans, en quelques heures. Hein. C'est un drame effrayant. Hein. Côté de laquelle la mort de Lady Day n'est que peu de chose. Et quelques jours plus tard, à Saint-Denis, Bossuet prononce ce texte. Et j'essaye, euh, en, en pensant à tout ce que nous venons d'évoquer, de, 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 de trouver une, une, une conduite de la voix qui soit appropriée. En anticipant, bien sûr, toutes sortes de choses que nous verrons plus tard, comme, comme les figures. Encore une fois, dès que vous prenez un texte, ce texte contient tous les éléments de la rhétorique et, et, et il, il faut les, les faire valoir. Grammaire, rhétorique, figure, ce que nous verrons plus en détail tout à l'heure, mais essayons en nous concentrant sur cette approche de la conduite de la voix. Vanitas, vanitatum, dixit Ecclesiastes. Vanitas, vanitatum, et omnia vanitas. Vanité des vanités, a dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, et tout est vanité. Monseigneur, j'étais donc encore destiné à rendre ce devoir funèbre à très haute et très puissante princesse Henriette, Anne d'Angleterre, duchesse d'Orléans elle que j'avais vue si attentive pendant que je rendais le même devoir à la reine sa mère devait être sitôt après le sujet d'un discours semblable et ma triste voix était réservée à ce déplorable ministère oh vanité oh néant Oh, mortels ignorants de leur destinée, l'eût-elle cru il y a dix mois? Et vous, messieurs, eussiez-vous pensé, pendant qu'elle versait tant de larmes en ce lieu, qu'elle dut sitôt vous y rassembler pour la pleurer elle-même? Princesse! le digne objet de l'admiration de deux grands royaumes, n'était-ce pas assez que l'Angleterre pleure à votre absence sans être encore réduite à pleurer votre mort Et la France, qui vous revit avec tant de joie, environnée d'un nouvel éclat, n'avait-elle plus d'autres pompes et d'autres triomphes pour vous au retour de ce voyage fort Fameux d'où vous aviez remporté tant de gloire et de si belles espérances. Vanité des vanités, et tout est vanité, c'est la seule parole qui me reste, et c'est sans étude et sans chouette, etc. Il commence en, en revenant à ce, cette récurrence de vanité des vanités, voilà le sujet dont je dois vous parler, il n'y a pas d'autre sujet qui. Voilà, euh, vous voyez la variété extraordinaire dans la, dans la, dans la longueur. Là, on n'est pas arrêté par les rimes et par, et par, euh, et par le, 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 les hémistiches et la ponctuation. Euh, vous avez vu, par exemple, Très haute et très puissante princesse Henriette, Anne, duchesse d'Orléans, Anne d'Angleterre, duchesse d'Orléans, euh, 24 syllabes, je crois. Elle, hein, 24 syllabes. Vanité qui se résume en « elle », que j'avais vu, « elle » qui est là dans, dans son catafalque. Un exemple parmi d'autres pour montrer, nous reviendrons sur les, les gradations et l'art de ça, peut-être encore. Oh, vanité, oh, ces oh » qui doivent être longs toujours. Oh, vanité, oh, néant, il y a moins de syllabes, mais ça termine avec une voyelle nasale et longue. « Ô mortels ignorants de leur destinée !» Vous voyez comme la, la, la gradation va dans le sens de la longueur ici. Hein, on trouve partout ce genre de, de, de construction rythmique et très expressive. « Intonation conduite de la voix les cordes, la voix au service de la grammaire, de la dispositio, de la decoratio et de... » l'expression des passions. Hein. Voilà la division de ce que nous devons euh, examiner maintenant. Hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup de travail. Commençons par un exemple très simple avec la grammaire. Dans l'école des femmes, nous revenons à Agnès. Le récit d'Agnès qui parle de cette vieille qui est venue lui dire qu'elle avait fait du mal euh, à un jeune homme. Et vous voyez que j'ai mis... Donc, donc là, c'est la figure du dialogisme. Agnès qui raconte à Arnolf ce qui s'est passé, elle est narratrice lorsqu'elle dit « fis-je tout étonné ?» Elle parle, elle, elle se rapporte parlant elle-même et puis elle, fait le, le, elle rapporte la voix de la vieille. « Oui, j'ai blessé quelqu'un, fis-je tout étonnée. Oui, » dit-elle. « Blessé, mais blessé tout de bon, est-ce l'homme qui hier vous vit du balcon ?»« Et là, qui pourrait, dis j'en en avouer été cause, sur lui sans y penser, fis je chouer quelque chose ?»« Non, dit-elle, on peut s'amuser avec ces avec ses, ses incises, elle, elle, elle regarde toujours Arnolf qui est au supplice en écoutant cette histoire. Mais vous voyez qu'ici, c'est un élément de, de grammaire, un exemple parmi mille, où on a ici ce, ce, cette jolie euh, proposition incise à, à faire entendre. Un exemple encore plus beau, hein, et souvent je trouve que l'école des femmes elle, apparaît sous certains aspects comme un coup d'essai pour les pièces d'après. Dans au deuxième acte de, de Don Juan, Pierrot et Charlotte. Et Pierrot raconte à Charlotte hey, :« Eh, Lucas, sais je fait, Je pense que voilà des hommes qui nagent là-bas. Vouer Se m'atifait. T'as été au trépassement d'un chat à la vue troupe Pas l'chantienne, sais-je-fais. Je n'ai pas la vue troupe, ce sont des hommes. Point du tout, se m'atifait. T'as la barre barlue. Veux-tu gager, sais-je-fais que je n'ai point la barre nue, je fait. Et que ce sont deux hommes, s'est-je fait. Qui n'a jamais trouvé ici, s'est-je fait. Morken, se je fait, je gage que non. Oh ça, s'est-je fait. Veux-tu gager, dix sols que si? Je le veux bien, s'est-je fait. Et pour te montrer, v'l'argent sujet, s'est-je fait j'ai mal prononcé, « dissol », j'aurais dû dire « dissous », simplement comme, comme nous aujourd'hui, c'est ça la prononciation correcte du mot « sol » à cette époque. Mais, mais voilà de nouveau euh, cette petite incise qui permet de, 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 de faire de, de jolis effets et, et, et de, qui, qui rime le texte et qui donne, qui donne cette grande naïveté. Curieusement, euh, c'est lorsque Molière fait parler des gens comme ça, Alain, Georgette ou ou Pierrot, que souvent il fait une rhétorique somptueuse avec, euh, euh, avec des chiasmes, avec des, des figures très très, euh, très très raffinées, et il met ça dans la bouche de Pierrot. Euh, L'exemple que je voudrais vous donner, je ne l'ai pas en texte en ce moment. Mais enfin, mort à la rhétorique, paix à la syntaxe. Hein. Phrase célèbre de Victor Hugo, et on change complètement d'univers pour, pour vous montrer une autre approche de la grammaire. Dans la plaidoirie contre la peine de mort, où Victor Hugo a défendu son fils Charles, journaliste qui avait fait, commis un crime, il avait décrit dans un article de, de journal. Une, une mise à mort, une, un, un, un condamné guillotiné. Et Hugo Charles raconte, raconte ça dans le journal. Il se fait condamner, son père vient le défendre. Alors voilà par exemple une, une phrase, une période prononcée par Victor Hugo. J'aborde immédiatement l'accusation, mais auparavant, commençons par bien nous entendre sur un mot. Les bonnes définitions font les bonnes discussions. Ce mot, respect dû aux lois, qui sert de base à l'accusation, quelle portée a-t-il Que signifie-t-il Quel est son vrai sens Évidemment, et le ministère public lui-même me paraît résigné à ne point soutenir le contraire. Ce mot peut signifier suppression, etc. etc. Vous avez compris, je pense, parce que vous êtes, des intelligences brillantes, hein, je le sais, et ça m'ennuie pour ma démonstration, parce que j'aurais voulu que vous me disiez on n'y comprend rien, hein, c'est incompréhensible si on le lit comme ça. Alors qu'est-ce que je fais, moi, quand je dois apprendre un texte comme ça, je le recopie. Hein. Avec l'ordinateur, ça va plus vite, mais surtout, j'essaye de lui donner euh, une structure une structure grammaticale pour voir les propositions principales, les subordonnées, les subordonnées, des subordonnées, les, et, et toutes les petites choses de la grammaire, je vous passe le détail. Et je vous relis la même phrase. J'aborde immédiatement l'accusation, mais auparavant, commençons par bien nous entendre sur un mot. Les bonnes définitions font les bonnes discussions. Ce mot, respect dû aux lois, qui sert de base à l'accusation, quelle portée a-t-il Que signifie-t-il Quel est son vrai sens Évidemment, et le ministère public me paraît résigné à ne point soutenir le contraire, ce mot ne peut signifier suppression sous prétexte de respect de la critique des lois. Ce mot signifie tout simplement respect de l'exécution des lois, pas autre chose. Il permet la critique, il permet le blâme, même sévère. Nous en voyons des exemples tous les jours et même à l'endroit de la Constitution qui est supérieure aux lois. Ce mot permet l'invocation au pouvoir législatif pour abolir une loi dangereuse. Il permet enfin qu'on oppose à la loi un obstacle moral, mais il ne permet pas qu'on lui oppose un obstacle matériel. Laissez exécuter une loi, même mauvaise, même injuste, même barbare. Dénoncez-la à l'opinion, dénoncez-la au législateur, mais laissez-la exécuter. Dites qu'elle est mauvaise, dites qu'elle est injuste, dites qu'elle est barbare, mais laissez-la exécuter. La critique, oui, la révolte, non. Voilà le vrai sens, le sens unique de ce mot, respect des lois. Je pense que c'est plus compréhensible que dans, la, que dans la première version. Et vous voyez que j'ai. Employer beaucoup, beaucoup, ce que, trop peut-être, hein, on n'a pas entendu Victor Hugo, on n'a pas l'enregistrement de ça, ce que nous dit, euh, ce que nous dit Coquelin, c'est-à-dire les silences, les silences qui, qui, qui prennent l'attention, qui, qui mettent en évidence euh, ce qui va suivre et, et qui permettent de faire entendre la construction grammaticale, elle aussi, de faire voir, de faire entendre cette ponctuation que l'on voit. Revenons à l'école des femmes pour aborder un autre aspect maintenant. Et souvent dans le théâtre, il y a des passages comme celui-là, qui sont de nouveau des tunnels extrêmement difficiles à comprendre, et à apprendre et à exécuter. On se dit pourvu que je ne perde pas l'attention de l'auditoire. Horace qui dit à Arnolphe... Mais ce qui m'a surpris et qui va vous surprendre, c'est un autre incident que vous allez entendre, un trait hardi qu'a fait cette jeune beauté et qu'on n'attendrait point de sa simplicité. Il le faut avouer, l'amour est un grand maître, ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être, et souvent de nos mœurs, l'absolu changement devient par ses leçons l'ouvrage d'un moment. De la nature en nous, il force les obstacles, et ses effets soudains ont de l'air des miracles. D'un avare à l'instant, il fait un libéral, un vaillant d'un poltron, un civil d'un brutal, il rend agile à tout l'âme la plus pesante et donne de l'esprit à la plus innocente. Oui, ce dernier miracle éclate dans Agnès, car tranchant avec moi par ces termes express, retirez-vous, mon âme aux visites renonce, je sais tous vos discours et voilà ma réponse. secret, etc. Je vous infliger infligé in extenso, hein. Et je me demande ce que vous avez compris, je suis sûr que euh, tout encore, mais je crois qu'il y a lieu maintenant d'aborder une… Donc, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est de la grammaire Je pense que non, c'est une... de la rhétorique, c'est une figure, hein? la figure de l'exposition décrite dans la rhétorique à Errhenius, mais je dirais plus qu'une figure, c'est presque un, un, un mode d'argumentation de... hein? qui… qui qui arrive à... Euh, Lisons-le. L'exposition consiste à s'arrêter sur un même point tout en paraissant exprimer des idées toujours différentes. Nous répéterons la même chose, non pas de la même façon, ce serait lasser l'auditeur, et non orner le discours, mais avec des changements. Les modifications se feront de trois manières, dans les mots, dans le débit, dans le tour. Alors, il parle de plusieurs formes de variation. En effet, après avoir exposé l'idée simplement, nous pourrons y joindre la preuve. Puis l'exprimer sous deux formes, avec ou sans preuve, puis présenter le contraire, puis donner une comparaison et un exemple, et enfin une conclusion. La collection de la rhétorique Aenius, l'exposition telle que la propose Erasme, Proposition, preuve, confirmation de la preuve, amplification ornée, présentation conclusive plus ramassée pour le premier, ou bien proposition sentence preuve, sentence, raison contraire, comparaison, exemple, conclusion. Alors si nous revenons maintenant à Horace, il est en train de faire la transition avec, avec ce qui précède. Hein. Mais ce qui m'a surpris et qui va vous surprendre, c'est un autre incident que vous allez entendre, un trait hardi qu'a fait cette jeune beauté et qu'on n'attendrait point de sa simplicité. Il le faut avouer, l'amour est un grand maître. Et vraiment, ça, c'est une sentence parce qu'il est en train de citer euh, un hémistiche de Pierre Corneille hein, que, que tout le monde reconnaît. L'amour est un grand maître. La raison ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être, on confirme. Et souvent, de nos mœurs, l'absolu changement devient, par ses leçons, l'ouvrage d'un moment. De la nature en nous, il force les obstacles, et ses effets soudains ont de l'air des miracles. D'un avare à l'instant, il fait un libéral, un valiant d'un poltron, un civil d'un brutal. Il rend agile à tout l'âme la plus pesante et donne de l'esprit à la plus innocente. Oui, ce dernier miracle éclate dans Agnès, car, tranchant avec moi et par ses termes express, retirez-vous, mon âme aux visites renonce, je sais tous vos discours et voilà ma réponse. Cette pierre ou ce grès dont vous vous éteignez, et continue, il continue le récit. Mais voyez que là, il y a eu toute cette petite argumentation qui, si on arrive à, à en faire sentir les rouages, les contraires, les exemples et, 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 et toute cette structure, ça devient beaucoup plus compréhensible et, et agréable. Et c'est des musiciens d'ailleurs qui m'ont rendu attentif hein, au. À l'exposition, figurez-vous, Pascal Dubreuil et Agathe -Sueur, Sueur, qui a fait sa thèse sur le nombre oratoire en musique, hein, en musique et en rhétorique, et euh, c'est elle qui, qui nous attire, sur, euh, attire notre attention sur le fait qu'une fugue de barre s'explique extrêmement bien d'une grande cadence à l'autre par une exposition, où on a un sujet, sa réponse... Propositio, ratio, et puis il y a un petit intermède, et puis tout d'un coup il y a des accords qui font une espèce de sentence, et puis il y a un petit divertissement qui fait une exornatio, et, 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 et dans le cadre d'une Fugue de Barre, euh, on arrive très bien à appliquer ce schéma. Et j'étais tellement fasciné par la découverte de cette exposition en musique qu'un jour que j'étais sur une de ces tirades de Molière, je me suis dit, mais. Voyons, il y a un bel exemple ici. Qu'est-ce qu'il y a avant Il y a une sentence ici. Et, et vraiment, maintenant, j'en vois partout. Chrysalde, dans la première scène, proposition, sentence, raison, confirmation de la sentence, exemple, exornation, contraire. Mais de vous, cher compère, il en est autrement. Comme les maris, etc., je ne vais pas vous lire toute la tirade. Euh, parfois, on voit des expositions là où on ne pense pas en trouver. Et encore une fois, c'est chez les, chez, chez les, les simples. Hein, simples. Euh, Arnolf est très en colère et vient de sortir de scène. C'est un des seuls moments où il n'est pas en scène. Georgette et Alain restent seuls. Et là... J'appelle ça exorde mais c'est tout à fait contestable hein. on est dans un, on est dans, un, dans le déroulement d'une comédie et, et ce n'est pas un exorde au sens du, du, de l'exorde normal de discours mais c'est la manière d'amorcer la scène. Mon hein. Dieu qu'il est terrible Ses regards m'ont fait peu mais une peu horrible Et jamais je ne vu un plus hideux chrétien, ce monsieur l'a fâché, je te le disais bien. Mais que diantre est cela qu'avec tant de rudesse, il nous fait au logis garder notre maîtresse. D'où vient qu'à tout le monde, il veut en la cacher et qu'il ne saurait voir personne en approcher. C'est que cette action le met en jalousie. Proposition. Mais d'où vient qu'il est pris de cette fantaisie Cela vient. Cela vient de ce qu'il est jaloux. Oui, mais pourquoi lest Et pourquoi est-ce courroux C'est que la jalousie, entends-tu, Ben Georgette, est une chose, là, qui fait qu'on s'inquiète et qui chasse les gens d'autour d'une maison. Je m'en vais te bailler une comparaison afin de concevoir la chose davantage. Dis-moi, n'est-il pas vrai, quand tu tiens ton potage, que si que ta famille venait pour en manger, tu serais en colère et voudrais le charger Oui, je comprends cela. C'est justement tout comme la femme est en effet le potage de l'homme et quand un homme, voit d'autres hommes parfois, qui veulent dans sa soupe aller tremper leurs doigts, il en montre aussitôt une colère extrême. Oui, mais pourquoi chacun n'en fait-il pas de même et que nous en voyons qui paraissent joyeux lorsque leurs femmes sont avec les bio monsieur C'est que... Chacun n'a pas cette amitié goulue qui n'en veut que pour soi. Si je n'ai la barlue, je le vois qui revient. Etc. Arnold revient. Mais vous voyez que, que ça marche encore, on peut, on peut, appliquer, on peut appliquer ça. Hein. Et d'une manière, manière plaisante, mais au fond, euh, de même que l'Iliade et l'Odyssée font entendre euh, à 80% des discours, je crois, je crois à 80%, euh, trois siècles avant que la théorie du discours ne soit formulée par les, par les, par les orateurs grecs, hein, euh, il semble que, 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 que le raisonnement, les structures du raisonnement sont une chose qui, qui précède les règles qu'on a pu formuler par la suite. Et celle-ci, qu'en pensez-vous Effrayante exposition. Que les metteurs en scène détestent, parce que c'est vraiment les passages les plus difficiles à, à, à traiter, c'est celle de Cléante dans Le Tartuffe, hein, la belle tirade sur les bons et, les, et les, sur les faux et les vrais dévots. Je vous passe le détail, mais là je n'ai que, que le début. Je sais du faux avec le vrai faire la différence. Et comme je ne vois ra raison, ces gens, dis-je, qu'on voit d'une ardeur non commune, rationis confirmatio. Il y a de belles figures comme prompt, vindicatif, cent fois, plein d'artifices, le congeries. Une petite transition de ce caractère, on en voit trop paraître, mais les dévots de cœur sont aisés à connaître, ça c'est le contraire. Notre siècle, mon frère, en propose à nos yeux qui peuvent nous servir d'exemple glorieux. Exemplum, vous voyez que le mot exemple est bien dans le texte. Et à la fin, complexio, on résume. Voilà mes gens, voilà comme il en faut user avec une belle anaphore, voilà l'exemple enfin qu'il se faut proposer. Conclusion, votre homme, à dire vrai, n'est pas de ce modèle et vous voyez une de plus qui entre tout à fait dans ce schéma, bien sûr schéma qu'on peut, qu peut, qu peut permuter, hein, où, le, où les choses peuvent être présentées dans un ordre ou dans un autre. Et je ne résiste pas enfin au plaisir de vous montrer... Une tirade de gros René dans le dépit amoureux que j'ai découverte dimanche après-midi. Et moi, je ne veux plus m'embarrasser de femmes. À toutes, je renonce et crois en hein. bonne foi que vous feriez bien de faire comme moi. Car, voyez-vous, la femme est, comme on dit, mon maître, un certain animal difficile à connaître et de qui la nature est forte encline au mal. Voilà la proposition. Raison. Et comme un animal, est toujours un animal et ne sera jamais qu'un animal. Quand sa vie durerait 100 000 ans, aussi sans repartie, la femme est toujours femme et jamais ne sera que femme tant qu'entier le monde durera. C'est raisonnements complètement absurde mais qui entre encore une fois dans le schéma d'une exposition. On le confirme d'où vient qu'un certain grec dit que sa tête passe pour un sable mouvant car... Hein, où il, il argumente, hein, car une conséquence, pour montrer qu'ici-bas, ainsi qu'on l'interprète, la tête d'une femme est comme la girouette au haut d'une maison qui tourne au premier vent. C'est un peu comme une sentence. C'est pourquoi le cousin Aristote souvent la compare à la mer. D'où vient qu'on dit qu'au monde, on ne peut rien trouver de si stable que l'onde. Or, par comparaison, car comparaison nous fait distinctement comprendre une raison. Et nous aimons bien mieux, nous autres gens d'études, une comparaison qu'une similitude. Par comparaison donc, mon maître, s'il vous plaît, comme on voit que la mer, et puis on y continue avec une grande comparaison homérique. Et là, ce qui est tellement drôle, c'est de voir dans cette petite digression de gros René, on l'entend parler comme un, comme un docteur et... et, et et raisonner sur la distinction entre une comparaison et une similitude. Pour finir, il faut je vous lis la fin de la conclusion. Ainsi, quand une femme a sa tête fantasque, on voit une tempête en forme de bourrasque qui veut compétiter par de certains propos. Et alors, un certain vent qui part de certains flots de certaines façons, ainsi qu'un banc de sable quand les femmes enfin ne valent pas le diable. Et voilà la conclusion. Alors, nous sommes partis des mots, hein, de leur sonorité, de leur rythme, de leur quantité syllabique, pour en faire des propositions, pour en faire les phrases de la grammaire, pour en faire des périodes hein, ou des structures d'arguments. De, 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 Maintenant, il faut passer à une structure plus grande, celle de la forme du discours lui-même. Le début, le milieu, la fin, le discours le plus petit, exorde, ipsum corpus carminis, péroraison. Et comme exemple, j'ai envie, c'est aussi, euh, aussi pour aborder un autre genre et vous montrer que, que, que là aussi, la voix a, a, a son rôle. À son rôle fondamental pour faire sentir comme ça au passage, sans que personne ne s'en rende compte, comme, comment la chose est conçue. La poule aux œufs d'or. J'aime cette fable parce que c'est l'une des, des plus courtes de La Fontaine et que c'est un petit discours complet de cette forme en tripartite. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. L'exorde ici se borne à la proposition. C'est de ça qu'on va parler. La partition ou la division, je crois, la plus courte de l'histoire de la littérature. Je ne veux pour le témoigner qu'une chose. Et voilà, ça n'est fini de la partition. L'histoire de celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf, œuf d'or. Et il raconte, on raconte la fable, qui en soi, c'est ce récit qui constitue le, 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 le corps même de l'œuvre. Et puis on conclut. Belle leçon pour les gens chiches, péroraison, une petite ironie. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu Une digression, on a l'impression de faire une digression, mais qui en fait est, 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 est le nerf de l'affaire et qui constitue, qui constitue la péroraison avec cette exclamation. Combien en a-t-on vu qui, du soir au matin, sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux, pour le témoigner, que celui dont la poule, ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien. C'est en lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches et voilà, c'est tout, c'est tout léger. Et c'est un petit discours complet. Mais bien entendu, c'est rare d'avoir des discours aussi courts. Voilà une forme euh, tout à fait normale, hein, vous connaissez ça par cœur, d'un discours. On introduit, on raconte les faits. Euh, argumentation, je, je devrais mettre, euh, il y a plusieurs terminologies possibles, bien sûr, c'est ici la, la confirmation, où on donne sa vision de, de la chose que l'on est en train de démontrer, euh, vision positive. et puis après la confutation, c'est la vision négative. Je sais bien ce que vous êtes en train de penser. Hein. Et je connais vos objections, je les connais si bien vos objections que je les formule. Et une fois que je les formule, je les ai formulées, je les écrase hein. et voilà cette belle confirmation positive, négative et on revient au bien fondé. Il y a souvent une petite digression qu'on peut mettre un peu n'importe où dans le discours, comme on voudra, et on finit avec la péroraison. Si nous revenons à nos traités d'art oratoire, René Barry dit que l'exorde doit se prononcer d'une voix médiocre. Pas trop basse, car l'orateur ne serait pas entendu, mais pas trop haut, car il faut se ménager. Au nom de Dieu, il faut parler avec autorité. Et il ne faut pas donner de marque de sa présomption par une voix hardie en commençant l'exorde. La division. Mon discours aura douze parties. Je vous parlerai d'abord de ci, de ça, de ça, de ça. Une voix claire et distincte pour montrer les trois préférences des membres de la division. Hein, et comment, comment les, les choses s'argumentent. Les choses la confirmation. Voix hardie pour exposer les raisons d'un ton assuré. Les objections. Voix un peu haussée parce que les objections veulent un ton différent du ton des discours continus. Et voix mal parce que les réponses aux objections doivent être décisives. Épilogue, il faut une voix éclatante parce que l'épilogue est plein d'interrogations et de reproches. C'est un prêtre qui parle naturellement et il doit finir avec des reproches devant son assistance de pêcheur. Alors, un exemple de sermon, c'est le sermon d'Arnolf dans l'École des femmes. Hein, ce sermon qui peut très bien être la cause de ces deux vers que dira Agnès au cinquième acte, Chez vous le mariage est fâcheux et pénible et vos discours en font une image terrible. Vous voyez que les éditions se suivent et que la chaise change de sens, c'est peut-être la plaque du graveur qui est mise à l'envers, je ne sais pas, mais en tout cas la tradition, là, regardez-moi bien là, pendant cet entretien. Voilà le geste, on sait. Quel, quel, quel est le geste de la pièce, quel est le mot de la, de la pièce euh, que représente le frontispice Alors, ce serment d'Arnolf, nous allons vraiment le regarder en détail, hein, le plus vite que je pourrai. Euh, il commence, appelons ça exorde, ce n'est vraiment pas un exorde, nous y reviendrons, euh, ou un exorde tout à fait particulier. Il y a une proposition je vous épouse Agnès. Il y a. En guise de narration, une sorte de, de récit où Arnolf revient sur le passé. Vous devez bénir l'heure de votre destinée, contempler la bassesse où vous avez été, etc. Et puis, il commence l'argumentation. Le mariage, à Agnès, n'est pas un badinage. Digression, là aussi, c'est plus, plus une aparté qu'une vraie digression. Ça n'est pas une digression, mais, mais en tout cas, c'est un. Un, un verre à part à l'intérieur de, de ce développement. Conflutation. Mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Et une petite transition. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons. Vous devez du cœur dévorer ces leçons. Pour conclure, par la péroraison, si votre âme les suit et fuit d'être coquette, tout sera, sera plus évident pour vous quand vous entendrez tout à l'heure le discours dans, dans, dans toute la suite, mais vous voyez qu'on peut très bien en dresser le plan. Et puis on arrive à la fin, « Faites la révérence » ainsi qu'une novice par cœur dans le couvent, et de nouveau la comédie continue et on fait une transition vers les maximes du mariage. Mais là encore, le rôle de la voix est de montrer, et on peut très bien le faire, toutes les, toutes les parties de ce discours qui aident, l'auditeur à comprendre où on en est. Un peu plus dans les détails maintenant, vous voyez, Agnès pour m'écouter, laissez là votre ouvrage, levez un peu la tête et tournez le visage, là, regardez-moi bien là, durant cet entretien, et jusqu'au... C'est plutôt une séance de dressage d'un animal domestique. Hein. En fait, ce n'est ni, ni captatio, misericordiae, ni rien du tout. Hein. C'est une, une prise de pouvoir, mais... Euh, puisqu'elle commence le discours, appelons-la exorde. Je vous épouse Agnès, et voici cette narration. Vous voyez qu'il parle du passé d'Agnès, euh, la bassesse où vous avez été, ce vil état de pauvre villageoise, ensuite le passé d'Arnolf, moi qui fuyais tous ses engagements, le passé, elle présent, je, je ne vous montre pas tout le détail, mais vous voyez qu'il s'agit d'autrefois, de maintenant et de bientôt appelons ça narration, hein, même que c'est peut-être euh, contestable. Et maintenant commence l'argumentation, la confirmation. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. Proposition. Ad austère de voix, et voilà, je n'entre pas en détail, mais vous voyez qu'on a de nouveau une exposition avec toutes ces parties, une double sentence. Hein. C'est encore plus beau, nous dit Erasme, d'en avoir deux que d'en de avoir qu'une. Le contraire Hein, il fait un contraire, il fait une, une comparaison, ce que le soldat montre euh, au chef qui le conduit, le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur le moindre petit frère. Vous voyez que c'est toujours du bas au haut, du bas au haut, et le dernier du haut au bas. Hein. Et bien sûr qu'on doit toujours accompagner son texte, de, on doit toujours accompagner la parole de, des gestes. Hein, un valet est à son maître. Hein, de Et si on, on fait à son supérieur le moindre petit frère, on fait ce qu'on appelle le sollicisme des mains. Hein. C'est une erreur ridicule. Il ne faut surtout pas que les mains montrent le contraire de ce que l'on est en train de dire. Il me semble que Monsieur Jourdain. Euh, vous me verrez habillé comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête. Hein. il me semble que c'est qu'il faut absolument le faire, que, que ça tombe très bien. Hein. c'est un gag bête, mais enfin, ce théâtre est plein de, de gag bêtes qui doivent se faire taper sur les cuisses. les rieurs ont été pour elle. disait-on de l'école des femmes, après l'argumentation, la confutation. mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Deux propositions, une raison, une confirmation de la raison, une sentence, une conclusion. Peut-être que parfois mes, mon analyse est un petit peu forcée parce que je voulais à tout prix euh, euh, plaquer, plaquer mes expositions, mais je suis sûr qu'en qu qu regardant ça très, euh, très tranquillement, on pourrait euh, améliorer ce que vous estimerez peut-être contestable tel que vous l'avez sous les yeux. Mais tout de même, je trouve qu'il y a là plusieurs éléments d'une exposition. Et encore une proposition, le contraire, un ornement, une conclusion. Tout ça dans la péroraison. Donc toutes ces, toutes ces parties sont faites de, de plusieurs, euh, plusieurs types d'argumentation. Vous entendrez tout à l'heure le discours in extenso, mais... Pour y parvenir, nous devons parler maintenant du chapitre 3, l'élocution, le style, le nombre, la formulation, on en a déjà parlé un peu, mais surtout le chapitre des figures, chapitre énorme, je vous l'ai dit. Voici les 13 de Le Faucheur, les 9 de Barry, les six seulement de Grimaret. Vous voyez qu'ils ont tous en commun la gradation, l'épiseux. Euh, L'interrogation aussi a une bonne. Euh, le jurement, le jurement, le serment, on le trouve aussi partout. Et puis un peu plus tard, en 1689, 27 figures dans le traité de Bretteville. Peut-être pour euh, très rapidement les, 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 les donner, donner plusieurs exemples, je passe par. Euh, on, on revient à Henriette d'Angleterre. Oh, il faut le faire long, encore une fois, ce « oh » nous, de, nous dit Bassilly. Deux exclamations, « nuit désastreuse »,« oh, nuit effroyable », avec une gradation dans, le, dans le, le, la double exclamation, « ou retentit tout à coup comme un éclat de tonnerre », vous entendez l'assonance de tous ces « t » qui éclatent, qui éclatent. « Madame se meurt, Madame est morte ». Anaphore avec les deux sujets extrêmement impressionnants, puisque se meurt au présent, est morte au passé composé. Et l'anecdote raconte que Bossuet a dû s'arrêter deux minutes à cet endroit. Hein les gens savent que Madame est morte, ils sont venus entendre son éloge funèbre, mais de présenter les choses comme ça, euh, dit-on, a fait une rumeur de deux minutes. Qui de nous Interrogation, hein. il saisit l'auditeur, hein, euh, la, la proximité de l'orateur qui parle euh, à ses auditeurs, non pas qui de vous, mais qui de nous, qui de nous, de se sentir frappé à ce coup, comme si quelque tragique accident avait frappé sa famille. « Au premier bruit d'un mal si étrange, c'est le récit, on a couru à cinq cloud de toutes parts, on trouve tout ce neutre, tout consterné. » excepté le cœur de cette princesse. Anafort, partout on entend des cris, partout on voit la douleur et le désespoir et l'image de la mort. Vous voyez ici le, le, la gradation. La douleur, 3, et le désespoir, et le désespoir, 5, est l'image de la mort, 7, hein. dans le nombre et dans l'intensité et, et dans le sens. On voit la gradation à tous les niveaux. Le roi, la reine, monsieur, toute la cour, tout le peuple, tout est abattu, tout est désespéré. Ça c'est très fort hein, parce que qu'est-ce qu'il fait en disant le roi, la reine, monsieur, toute la cour, tout le peuple. Est-ce que c'est une gradation ou est-ce que c'est une dégradation Moi, je crois que c'est les deux à la fois. Hein. C'est d'abord une dégradation. On commence par le roi, la reine, monsieur, toute la cour, tout le peuple. Hein, y a, y a, on, on descend toute la hiérarchie. Mais en même temps, c'est une gradation parce qu'il y a de plus en plus de monde. Hein. Donc ça, c'est... Euh il y a des exemples très célèbres chez, chez Cicéron hein, dans, les, dans les catilinaires, mais là, de faire à la fois, en même temps, la gradation et la dégradation, c'est très fort. Tout est abattu, tout est désespéré. Et il me semble que je vois l'accomplissement de cette parole du prophète, citation, on lève le doigt, le roi pleurera, le prince sera désolé, et les mains tomberont au peuple de douleur et d'étonnement. Mais, c'est René Barry qui nous dit que ces mots, mais, pourtant, cependant, toutefois, sont des mots extrêmement importants et que l'orateur doit prononcer avec soin parce qu'ils marquent un tournant dans la pensée. Et si vous insistez en les prononçant sur, sur ces mots-là, vous aidez l'auditeur. Attention, on est en train d'aborder de, de, les choses sous un autre angle. Et les princes, et les peuples gémissaient en vain. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas « les princes et les peuples » Parce que c'est beaucoup moins beau. « Et les princes et les peuples », la police indette, on, 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 je crois, on, on, rajoute ce, on rajoute ce petit « et pour, » pour insister. « J'ai mis sept en vain. En vain, monsieur. » On a fini par « en vain », on recommence par « en vain »,« anadiplose ».« En vain, monsieur. En vain, le rouet. »« anaphore le terme fixe, le terme variable. » Vous voyez qu'il y en a partout. Tenez madame serrée par-dessus et trouvez embrassements Alors ils pouvaient dire l'un et l'autre avec sainte ambroise hein? Et vous voyez le tableau. Hein? Madame est en train de. Euh, Stringebam brachia, sedjam non amiseram cuam tenebam. Je serrais les bras, mais j'avais déjà perdu ce que je tenais. Hein? On voit le roi et monsieur qui tiennent madame, qui est là déjà un peu verte, mais qui sourit en regardant, en regardant le ciel. Hein, C'est vraiment l'hypothypose. Hein. L'orateur nous fait un tableau, nous pose sous les yeux une scène magnifique. Et la mort plus, plus puissante nous l'enlevait en ses royales mains. Quoi donc Interjection. Elle devait périr si tôt Interrogation. Dans la plupart des hommes, les changements se font peu à peu, et la mort les prépare ordinairement à son dernier coup. Madame a passé du mastin au soir, ainsi que l'herbe des champs, comparaison. Le matin, elle fleurissait, avec quelle grâce, vous le savez. Le soir, nous la vîmes sécher. Et ces fortes expressions par lesquelles l'écriture sainte exagère l'inconstance des choses humaines devaient être pour elle si précises et si littérales. Vous voyez cette floraison de figures partout qui, qui, qui rythme, qui al alimente, qui, qui, qui dessine un, un discours extrêmement vivant. Et si nous revenons à l'école des femmes, une cinquantaine de figures dans le sermon Et on ne va pas les regarder toutes parce que ce serait trop long quelques-unes en violet, ce vil état de pauvres villageoise le rang d'honorable bourgeoise, l'hyperbole vingt parties fort capables de faire euh, plus loin deux sentences votre sexe n'est là que pour la dépendance du côté de la barbe et la toute-puissance. De nouveau, une double sentence. Hein. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, c'est deux moitiés pourtant. Ce n'est pas une lourdeur de style, au contraire, c'est une magnifique anadiplose hein, qui, qui, qui ravive le style, qui insiste, qui, qui aide à entendre mieux l'importance de ce terme. Euh, je, je Les ellipses, le valet, un enfant à son père, il y a toutes ces, tous ces parallélismes. Et puis les congéries. La docilité, l'obéissance, l'humilité, le respect. Première congérie. Le, la congérie, c'est le, comme les congères de neige, hein, c'est des, des, des tas de neige, des amassements de neige. Deuxième congérie, son mari, son chef, son seigneur et son maître. Il aurait pu dire son mari, ça suffisait, mais non, on en met quatre, c'est tellement plus beau. Et le sens est tellement plus évident. Et puis on finit par exemple par euh, une hypothypose terrible Il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes mal vivantes. Et bien sûr, Hein, c'est un exemple que vous avez déjà entendu à propos de la coloration de la voix. Vous voyez que, que toutes ces approches se, 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 se répondent les unes aux autres. Et ça, c'est la, la dernière. Elle sera toujours. C'est comme tout à l'heure chez Bossuet. Elle sera toujours comme un lys blanche et nette. Le matin, elle fleurissait. Elle deviendra alors noire comme un charbon. Et le soir, nous l'avions séché. J'ai un peu honte hein, de mettre euh, en, en parallèle Bossuet et Molière. Je crois que je serais excommunié moi aussi par Bossuet s'il m'entendait le, le comparer ces deux admirables auteurs. Mais vous voyez qu'ils ont vraiment une technique absolument comparable. Le faucheur définit les figures comme les lumières de l'oraison. Hein. Tout, toutes ces. Toutes ces formules qui fleurissent depuis les, les depuis les, les, en tout cas Quintilien. Je pense que c'est de lui que, que vient cette, cette figure-là. L'épimone. Que dit-il? Que fait-il? Est-il toujours Galliard? Les questions pressantes, la gradation. Nous allons en voir plusieurs. L'antithèse qui marque les contraires. Toutes ces définitions. Grimaret en donne des exemples absolument splendides, des interrogations, des apostrophes, les apostrophes d'Andromaque, Andromaque hein, qui parle à son époux défunt, qui parle à Hector, au man d'Hector, hein, c'est toujours extrêmement émouvant, comme tout à l'heure Bossuet a parlé à vous, hein, monseigneur, et vous, messieurs, et à la fin, princesse. Il s'adresse à la défunte à laquelle on est en, en train de rendre hommage. Je vous lis l'exemple de gradation dans Polyeute de Corneille. Une gradation absolument splendide en vous rendant déjà attentif à la construction, au nombre des, des, de, de, de cette gradation, vous voyez comme... Vous allez entendre comme le rythme participe à la beauté de l'énumération. Ce n'est plus cette époux si charmante à vos yeux, c'est l'ennemi commun de l'État et des dieux, un méchant, un infâme, un rebelle, un perfide, un traître, un scélérat, un lâche, un parricide, une peste exécrable à tous les gens de bien. Un sacrilège impie en un mot, un chrétien. Vous voyez comme, comme, le, rythme, comme le rythme est fort et, et comme, comme il incite à, à, sculpter, à sculpter ces figures. Passons dans la farce, hein. c'est un genre qu'on n'a pas encore vu beaucoup ou fleurissent, hein. on n'est pas tout à fait sûr. Que la jalousie du barbouillé soit de Molière, mais en tout cas, il y a un rôle de docteur absolument splendide, comme on en trouvera plus tard de nombreux dans les grandes comédies de Molière. Et c'est c'est la figure de l'anabase et de la catabase, ascension-descente. Hein. Le barbouillé demande, euh, c'est comme dans beaucoup de pièces de Molière, il ne sait pas s'il doit se marier ou non. Alors, il demande au public qui ne lui répond pas, si je me souviens bien, et il voit le docteur qui passe, alors il lui pose la question Monsieur le docteur, est-ce que je fais bien de me marier Et le docteur commence par une tirade insensée euh, euh, où il dit qu'il est dix fois docteur, et puis après, le barbouillé se met en colère parce qu'il ne veut pas l'écouter, et il lui dit Qu'est-ce qu'il faut pour que vous m'écoutiez Est-ce que vous voulez de l'argent hein? Et, et, et il, lui donne sa, euh, il lui propose de l'argent. Et voilà la réponse du docteur qui va se faire sous la forme d'une anabase-catabase, dans laquelle on trouve l'anadiplose. On termine toujours, on recommence par le terme sur lequel on a, on a terminé. C'est peut-être anadiplose ou les cadavres exquis, je ne sais pas. Hein. Et ça montre encore l'hermétisme du docteur avec les gens normaux. Hein. Au fond, ce, ce gros paquet de caractères que vous avez sous l'argent peut se résumer en ceci Ton argent ne m'intéresse pas. Mais voilà comment le dit un docteur. Euh, ceci dit, là-dedans, vous voyez, tu me prends donc par un homme, on est à peu près haut. Euh, sache que cette douce serait dans une riche boîte. Il y a toujours adjectif, substantif. Cette boîte dans un étui précieux. Cet étui dans un coffret admirable se coffrer dans un cabinet curieux. Vous avez compris le principe. Hein Maintenant, ce qui est très beau, je pense, pour le comédien, c'est que, de nouveau, par sa voix, par l'outil de sa voix, hein, cet outil merveilleusement souple, il peut parvenir à colorer chaque, chacun, des, chacun des adjectifs et, et leur donner une variété extraordinaire. Hein c'est de nouveau une exornatio, comme on en a vu d'autres, hein, avec, avec, à, à l'intérieur de cette figure. Tu me prends donc pour un homme à qui l'argent fait tout faire, pour un homme attaché à l'intérêt, pour une âme mercenaire. Sache, mon ami, que quand tu me donnerais une bourse pleine de pistoles, et que cette bourse serait dans une riche boîte, cette boîte dans un étui précieux, cet étui dans un coffret admirable, ce coffret dans un cabinet curieux, ce cabinet dans une chambre magnifique, cette chambre dans un appartement agréable, cet appartement dans un château pompeux, ce château dans une citadelle incomparable, cette citadelle dans une ville célèbre, cette ville dans une île fertile, cette île dans une province opulente, cette province dans une monarchie florissante, cette monarchie dans tout le monde. Et que tu me donnerais le monde! Où serait cette monarchie florissante? Où serait cette province opulente? Où serait cette île fertile? Où serait cette ville célèbre? Où serait cette citadelle incomparable? Où serait ce château pompeux? Où serait cet appartement agréable? Où serait cette chambre magnifique? Où serait ce cabinet curieux? Où serait ce coffret admirable? Où serait cet étui précieux? Où serait cette riche boîte dans laquelle serait enfermée ta bourse? Pleine de pistoles, que je me soucierais autant de ton argent et de que de cela! Euh, je vous explique le jeune scène, troussant sa robe derrière son cul. Voilà. Hein. L'exornatio jointe à un gag de Commedia dell'arte et à, à, à la chute. Hein. Voilà, en on, on, on voilà assez pour les figures. Il faut passer maintenant aux passions. Les passions dans la voix, les passions dans le visage, c'est un sujet absolument magnifique et énorme. Michel Le Faucheur demande de la variation de la voix selon les sujets. Il faut proscrire la monotonie, hein, celle que, je vous, que vous avez entendue quand j'essayais de lire tout plat. Il faut une extraordinaire variété de tons de voix dans sa palette. Il ne parle que de quatre passions, colère, plainte, estime, mépris. Il demande une grande vraisemblance dans les passions. Alors que René Barry, lui, nous montre 16 passions. Vous voyez des passions complémentaires comme désir, fuite, joie, tristesse, tout ça sont des choses bien connues. Euh, je reprends celles de Barry pour les comparer à celles de Bretteville qui sont à peu près semblables, un peu différentes. Euh, il donne euh, une grande variété dans les désirs des richesses, de l'honneur, de la volupté. Il ne les présente pas dans le même ordre, mais vous voyez qu'on est toujours dans le même, dans le même ordre d'idées. Et René Barry nous donne, lui, des modes d'emploi. Des modes d'emploi pour la joie. Voix douce, pleine et facile. Alors je vous donne des exemples dans l'école des femmes. Ah, joie extrême Et depuis quand ici la tristesse, voix faible, traînante et plaintive. Le petit chat est mort. Et c'est Agnès qui dit que, moins qu'il ne puisse en pleurer voir un poulet mourir, je pense que la mort du petit chat est une cause de tristesse pour Agnès, hein, étant donné que le mot triste est, est beaucoup plus fort à cette époque qu'il ne l'est aujourd'hui. Ou bien, la tristesse, elle dit à Horace, « Quand je ne vous vouais point, je ne suis point joyeuse. » L'espérance, Adiès. « Nous serons mariés !» Voix hautaine et éclatante. Horace voit à la fois l'espérance et puis ensuite l'audace. Hein, vous verrez que les deux passions euh, enchaînent. Voix impétueuse, hautaine et redoublée. Et si, par la faveur de quelques bonnes étoiles, je puis, comme je l'espère, à ce franc animal, ce traître, ce beau, ce faquin, ce brutal, c'est évidemment Arnolf qu'il est en train de, de décrire, à qui il est en train de parler. La crainte, voix faible et hésitante, la crainte attire les esprits de la circonférence au centre, surcharge le cœur qui est sur le point d'être étouffé. Celui qui parle est comme interdit. Georgette, oh, Dieu qu'il est terrible, ses si, regards m'ont en fait peur, mais une peur horrible. Le désespoir, ton exclamatif, aigu et précipité, Arnolphe, Quoi L'astre qui s'obstine à me désespérer ne me donnera pas le temps de respirer. Coup sur coup, je verrai par leur intelligence de mes soins vigilants confondre la prudence et je serai la dupe en ma maturité d'une jeune innocente et d'un jeune éventé. C'est une manière de le faire, bien sûr, qu'on pourrait en trouver d'autres. Ces textes sont tellement vastes que. Que la palette est large. Mais en tout cas, tous les textes que nous avons vus des, des, des auteurs nous montrent à quel point on est dans des, dans des choses fortes et colorées et dynamiques et intenses. Un autre, une autre source très importante pour les passions, c'est Charles Lebrun. Conférence en 1669 sur les passions de l'âme pour ses amis peintres. Hein, il décrit par un texte comment on, on, on Comment représenter avec vos couleurs, avec les traits, comment décrire les passions que voilà. Vous avez celle de Lebrun à gauche et celle de Barry à droite. 19 passions chez Lebrun. Voici l'attention, l'admiration, l'admiration avec étonnement, la vénération. De droite à gauche en haut. Douleur aiguë, douleur corporelle simple. Le ravissement, le désir. En bas, la tristesse, le pleurer, la jouer tranquille, le rire. Et les dernières, la compassion, le mépris, la colère, haine ou jalousie, l'horreur, l'effroi. Le désespoir. Je ne sais pas comment on fait un comédien pour ça. Il passe derrière une colonne et il se met du gel dans la perruque pour cette belle, belle tête de Beethoven. Beaucoup plus proche de nous, Lucien Fugère et Raoul Duhamel, en 1930, dans une méthode de chant, hein, on est dans le autour de l'Opéra de Paris, et ils décrivent euh, trois expressions de base hein, qui. qui qui touche l'orientation de la bouche. Une bouche horizontale et plate, c'est pour c'est neutre, c'est l'épation normale. Le petit chat est mort. Une bouche en U maintenant, hein, en U retourné, le petit chat est mort. Et vous voyez que la voix tombe dans le grave et que ça lui donne déjà une couleur beaucoup plus sombre. Et une bouche en U, « Le petit chat est mort. Hein? » ça, ça dégage des harmoniques, c'est une couleur tout à fait différente. Les mains. Puisqu'on parle de la voix, je ne vais pas vous en parler, mais vous voyez que la chirologie, la chironomie de Boulevard, euh, les 17 règles pour les mains de Michel Le Faucheur, les 20 prescriptions de René Barry pour le geste de prédicateur. Je vous en ai fait tout à l'heure le geste du résolu, le définitif. Hein. Ça tombe comme ça. Et voilà, et maintenant, nous pouvons tout additionner, je crois, et vous faire entendre le, le sermon d'Arnolphe. Hein? Ou vraiment, il y, y, y a tout ça, il y a tout ça à la fois. Hein? On a mis le temps, mais on y arrive. Hein? Arnolf, qui est, qui est assis, c'est tout, tout à fait exceptionnel au 17 quand qu'un comédien soit assis. Vous allez jouer le rôle d'Agnès. Hein? Hein? <laughs> Simplement, vous vous, vous vous souvenez du, du Frontispice, vous êtes là, et... non mais, mais, mais restez. Hein? Vous êtes là, vous, vous avez votre ouvrage. Et puis... Euh... C'est un peu bizarre dans mon costume ça. Agnès, pour m'écouter, laissez là -la votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez le visage là. Regardez-moi bien là, durant cet entretien, et jusqu'au moindre mot, imprimez-le-vous bien. Je vous épouse, Agnès, et sans fouet la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée. Contemplez la bassesse où vous avez été et dans le même temps admirez ma bonté. Qui de ce vil état de pauvre villageoise vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise et jouir de la couche et des embrassements d'un homme qui fuyait tous ses engagements et dont à vingt parties fort capables de plaire le cœur a refusé l'honneur qu'il vous veut faire. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux le peu que vous étiez sans ce nœud glorieux, afin que cet objet d'autant mieux vous instruise à mériter l'état où je vous aurai mise, à toujours vous connaître et faire qu'à jamais je puisse me contenter de l'acte que je fais. Le mariage à n'est pas un badinage. À d'austères devoirs, le rang de femme engage et vous n'y montez pas, à ce que je prétends, pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe la toute-puissance. Bien conçue, deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant non point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une est soumise en tout à l'autre qui gouverne. Et ce que le soldat montre d'obéissance au chef qui le conduit, un enfant à son père, un valet à son maître, à son supérieur le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'innocence et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef son seigneur et son maître. S'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser jamais le regarder en face que quand d'un doux sourire il lui veut faire grâce, c'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines Dont par toute la ville on chante les fredaines Et de vous laisser prendre aux assauts du malin C'est-à-dire au aucun jeune blondin Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne C'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne Que cet honneur est tendre et se blesse de peu que sur un tel sujet il ne faut point de jeu et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes mal vivantes. Ce que je vous dis là ne sont point des chansons et vous devez du peur dévorer ces leçons. Si votre âme les suit et fuit d'être coquette, elle sera toujours comme un lys blanche et nette. Mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse un faux bon, elle deviendra alors noire comme un charbon. Vous paraîtrez à tous un objet effroyable, et vous irez un jour, vrai partage du diable, bouillir dans les enfers à toute éternité dont vous veuillez garder la céleste bonté. Faites la révérence. Ainsi qu'une novice dans le couvent par cœur, et voilà, il va lui faire lire les maximes du mariage. <laughs> Où est-ce que j'ai mis mes lunettes Là Ah, merci, pardon. Voilà. Tout ça pour en arriver là. Hein. Alors maintenant, il est, il est 4h moins 20. Il nous reste 20 minutes. Alors il y a, il y a plusieurs possibilités. Euh, J'avais encore dans mes documents. D'autres exemples, deux, deux autres exemples pour changer, pour changer de style, encore une fois, et en vous faisant grâce de tous les commentaires, parce que les commentaires sont faits déjà, et que simplement, on va retrouver à peu près les mêmes choses, encore une fois, dans des genres différents. Mais j'aurai ici le, le récit de Théramène, d'Enfèdre, et puis les djinns de Victor Hugo, aussi qui sont une, une construction magnifique, mais au fond je pense que ça, si je, si je vous, vous fais entendre ça, on aura encore un petit un petit temps pour pour discuter après. Surtout que je vous aurais déjà tout dit et que je ne saurais pas que répondre à vos questions. Enfin je ne sais pas, hein, peut-être, mais donc je, je on, on, on continue avec ça. Donc un, un autre univers bien sûr, le récit de la mort d'Hippolyte par par euh, théramène hein. le vieux général théramène je dis vieux parce qu'il était joué par oh je, je ne sais plus son comédien maintenant à l'hôtel de bourgogne villiers je crois qui était un comédien qui avait soixant, une soixantaine d'années euh, lorsqu'il a, lorsqu a joué ce rôle Je crois que je vais le lire parce que je ne l'ai pas, pas repassé et que c'est peut-être un peu dangereux d'essayer de, par cœur. Memoria, memoria. À peine nous sortions des portes de trezen. il était sur son char. Ses gardes affligés. Oui, oh, excusez-moi, avant de commencer, je dois tout de même vous rendre attentif ici à un élément magnifique qui est le, le, le débit. Je pense que vraiment, il y, y a un, un, un jeu qu'on peut faire sur, le, sur la vitesse de la déclamation et qui va du, du plus rapide au plus lent aussi. On en a des exemples magnifiques dans, une, dans la bouche de Julia Bartet, aussi dans Andromaque, et qui fait des, des vers... Elle fait des, certains vers ont moins de deux secondes et d'autres en ont 16 à peu près. Hein tellement elle, elle les attire dans, les, dans la grande douleur. Et je pense qu'ici, on, on peut arriver à des choses semblables, même si euh, Corneille, on, on sait que Corneille se dit plus vite que Racine, qui se dit plus vite que Voltaire. C'est en tout cas la, la conclusion à laquelle on arrive aujourd'hui. Alors voilà, écoute, écoutons Racine qui est, qui, qui est assez majestueux. À peine nous sortions des portes de Trézène, il était sur son char. Ses gardes affligés imitaient son silence autour de lui rangé. Il suivait tout pensi le chemin de Mycène, sa main sur les chevaux laissait flotter les rênes. Ces superbes coursiers qu'on voyait autrefois, pleins d'une ardeur si noble, obéir à sa vouée. L'œil morne maintenant et la tête baissée semblaient se conformer à sa triste pensée. Un effroyable cri sorti du fond des flots des airs en ce moment a troublé le repos. Et du sein de la terre, une voix formidable répond en gémissant à ce cri redoutable. Jusqu'au fond de nos cœurs, notre sang s'est glacé, des coursiers attentis, le crin s'est hérissé. Cependant, sur le dos de la plaine liquide, s'élève à gros bouillons une montagne humide, l'onde approche, se brise et Vomit à nos yeux parmi des flots d'écume un monstre furieux. Son front large est armé de cornes menaçantes, tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes, indomptable taureau, dragon impétueux. Sa croupe se recourbe en replis tortueux, ses longs Fingissements font trembler le rivage. Le ciel, avec horreur, voit ce monstre sauvage. La terre s'en émeut, l'air en est infecté. Le flot qui la porta recule épouvanté. Tout fuit, et sans s'armer d'un courage inutile, dans le temple voisin, chacun cherche un asile. Hippolyte, lui seul, digne fils d'un héros, Arrête ses coursiers, saisit ses javelots, pousse au monstre, et d'un dard lancé d'une main sûre, il lui fait dans le flanc une large blessure. De rage et de douleur, le monstre bondissant, vient au pied des chevaux tomber en mugissant, se roule et leur présente une gueule enflammée, qui les couvre de feu, de sang et de fumée. La frayeur les emporte, et sourds à cette fouée, ils ne connaissent plus ni le frein ni la vouée. On En efforts impuissants, leur maître se consume. Ils rougissent le mort d'une sanglante écume. On dit qu'on a vu même, en ce désordre affreux, un dieu qui d'aiguillon pressait leurs flancs poudreux. À travers les rochers, la peur les précipite, les cieux grillent et se rompent. L'intrépide Hippolyte vouait voler en éclats tout son char fracassé. Dans les rênes lui-même, il tombe embarrassé. Excusez ma douleur. Cette image cruelle sera pour moi de pleurs une source éternelle. J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fille traînée par les chevaux que sa main a nourri Il vous les rappelait, et sa voix les effraye. Il court. Tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. De nos cris douloureux, la plaine retentit. Leur fougue impétueuse enfin se ralentit Il s'arrête non loin de ces tombeaux antiques Où des rouets ces aïeux sont les de reliques J'y cours en soupirant et sa garde me suit De son généreux sang La trace nous conduit Les rochers en sont Teint, les ronces dégoûtantes portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. J'arrive, je l'appelle et, me tendant la main, il ouvre un œil mourant qu'il referme soudain. Le ciel, dit-il, m'arrache une innocente vie. Prends soin, après ma mort, de la triste Arissie. Cher ami, si mon père, un jour désabusé, Plein le malheur d'un fils, Faussement accusé, Pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive, Dis-lui, Qu'avec douceur, il traite sa captive qu'il lui rende. À ces mots, ce héros expiré n'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré. Triste objet ou des dieux triomphe la colère, et que méconnaîtrait l'œil même de son père. La timide timidaricie est alors arrivée. Elle venait, Seigneur, fuyant votre courroux, à la face des dieux, l'accepter pour époux. Elle approche, elle voit. L'herbe rouge et fumante. Elle vouait quel objet pour les yeux d'une amante. Hippolyte est tendue, sans forme et sans couleur. Elle veut quelque temps douter de son malheur. Et ne connaissant plus ce héros qu'elle adore. Elle vouait Hippolyte. Elle le demande encore. Mais trop sûr à la fin qu'il est devant ses yeux. Par un triste regard, elle accuse les dieux. Et Fred, gémissante et presque inanimée, aux pieds de son amant, elle tombe pâmée. Ismène est auprès d'elle, Ismène tout en pleurs, la rappelle à la vie, ou plutôt aux douleurs. Et moi, je suis venu, détestant la lumière, vous dire d'un héros la volonté dernière, et m'acquitter, Seigneur, du malheureux emploi dont son cœur expirant s'est reposé sur moi. Autre univers pour finir. Les jeans de Victor Hugo. Le récit de Théramène a toujours des effets internes incontrôlables. Vous connaissez ce poème, c'est ce tour de force crescendo, decrescendo. On a vu tout à l'heure l'anabase, catabase de, du barbouillé. Et, et curieusement, on retrouve la même avec Victor Hugo, mais dans un autre mode. Mur, ville, et port, asile de mort. Vous voyez qu'on commence avec des vers de deux, deux syllabes, masculin ou féminin. Mur, ville. Bien sûr, il y a trois syllabes puisque c'est un mot féminin. Et port, masculin. Asile, féminin. De mort, masculin. Mère grise, féminin. Ou brise, féminin. La brise, féminin. Tout d'or, masculin. Deux. Hein. Donc ça commence avec deux. Ensuite, trois. Ensuite, quatre et cinq. Ensuite, six et sept. Huit et dix. On saute l'ennée à syllabes, Et puis ça redescend. Huit, sept. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Non, où est le 1 Non, non, ça s'arrête à 2, ça, ça bien sûr. Voilà. Mur, ville et port, asile de mort, mer grise ou brise, la brise, tout dort. Dans la plaine n'est un bruit, c'est la laine de la nuit. Elle brame comme une âme qu'une flamme toujours suit. La voix plus haute semble un grelot d'un nain qui saute, c'est le galop. Il fuit, s'élance, puis en cadence sur un pied dense au bout d'un flot. La rumeur approche. L'écho la redit, c'est comme la cloche d'un couvent maudit, comme un bruit de foule qui tonne et qui roule, et tantôt s'écroule, et tantôt grandit. Dieu, la voix sépulcrale des djinnes, quel bruit ils font, fuyons sous la spirale de l'escalier profond. Déjà s'éteint ma lampe Et l'ombre de ma rampe Qui le long du mur rampe Monte jusqu'au plafond c'est l'essaim des djinns qui passent et tourbillonnent en sifflant les ifs que leur vol fracasse craquent comme un pain brûlant leur troupeau lourd et rapide volant dans l'espace vide semble un nuage livide qui porte un éclair au flanc ils sont au prêts de nous fermer cette salle où nous les nargons. Quel bruit dehors! Hideux armées de vampires et de dragons! La poutre du toit décelée plouée ainsi qu'une herbe mouillée, et la vieille porte roulée tremble à déraciner ses gonds. Crie de l'enfer, voix qui hurle et qui pleure, l'horrible essaim poussé par l'aquilon, sans doute au ciel s'abat sur ma demeure, le mur fléchit sous le noir bataillon, la maison crie et chancelle, penchée, et l'on dirait que du sol arraché, ainsi qu'il chasse une feuille séchée, le vent la roule avec son tourbillon. Prophète, si ta main me sauve De ces impurs démons des soirs, J'irai prosterner mon front chauve Devant tes sacrés encensoirs. Fais que sur ces portes fidèles Meurent leurs souffles d'étincelles Et qu'en vain l'ongle de leurs ailes Grince à ces vitraux noirs. Ils sont passés, leurs corps, S'envolent et fuient, et leurs pieds cessent de battre ma porte, de leurs coups multipliés. L'air est plein d'un bruit de chaînes, et dans les forêts prochaines, frissonnent tous les grands chaînes, sous leur vol de feu plié. De leurs ailes lointaines, le battement des croix, si confus dans les plaines, si Faible que l'on croit ouïr la sauterelle, Crier d'une voix grêle, ou pétiller la grêle Sur le plomb d'un vieux toit. D'étranges syllabes nous viennent encore, Ainsi des arabes, quand sonne le corps, Un chant sur la grève par instants s'élève, et l'enfant qui rêve Fait des rêves d'or. Les djinns funèbres, Fils du trépas, Dans les ténèbres Pressent leurs pas. Le récin gronde, Ainsi profonde, Murmure une onde Qu'on ne voit pas. Ce bruit vague s'endort, c'est la vague sur le bord, c'est la plainte presque éteinte d'une sainte pour un mort. On doute la nuit, j'écoute, tout fuit, tout passe, l'espace efface le bruit. Je vois que j'avais encore écrit un mot, le mot pléonasme. Le mot pléonasme, c'est celui de... J'allais dire tout, non, c'est toujours bête de dire tout, mais de d'innombrables metteurs en scène au XXe et au XXIe siècle qui interdisent à leurs comédiens le pléonasme. C'est-à-dire, non, ne fais pas ce qui vient naturellement avec le texte, ne me raconte pas d'un air triste, d'une histoire triste, ne prends pas un air joyeux parce que c'est joyeux, tu me racontes le texte, c'est ennuyeux, je suis assez intelligent pour comprendre. Eh bien, vous voyez que, à mon avis, absolument tout l'enseignement de la rhétorique, prétend le contraire et demande non pas le pléonasme, mais non, mais demande simplement de dire les choses comme, comme elles sont pour les rendre euh, compréhensibles et accessibles. Et je crois que tous les textes que nous venons de voir sont tellement riches que même avec dix comédiens différents qui essayent de faire la même chose, on aura toujours dix résultats différents. Hein? Mort au pléonasme. <laughs> Merci, cette fois j'ai fini. <laughs>